Deux mois plus tard, au début de l'hiver, vint l'homme aux lunettes cerclées de fer. Car la montagne peu d'or recelait, mais regorgeait d'un étrange minerai. Au printemps, au mépris de toute loi, Stone engagea une bande de forçats pour faire du temple des ancêtres indiens un vaste réseau d'égouts souterrains. Pour étendre alentour son pouvoir, Stone fit ensuite construire une gare. Puis, sous la menace des Winchester, il fit amener un cheval de fer. Et pour faire accroire à la compagnie que Slaughter Gulch était un paradis, il enjoignit sans tarder aux bagnards de construire un immense réservoir.